La famille Adeleke est l'une des familles les plus riches du Nigeria. Vous avez peut-être été excusé de ne pas connaître la famille Adeleke avant 2012, c'est à ce moment-là que Davido, Bired, Sinarambo et le sénateur Dansan ont changé cela. La famille Adeleke est construite autour de la bande de frères, Adedeji Adeleke, Ademola Adeleke et Isiaka Adeleke. Adedeji Adeleke, étant le frère aîné, est le fondateur et chef de la direction de Pacific Holding Limited, qui investit dans l'immobilier, la banque, les transports et le pétrole. Il est également le fondateur de l'Université d'Adeleke, un établissement d'enseignement supérieur privé à Edo, dans l'état d'Ondo, au Nigeria. Il est également le père de la star de la musique nigériane Davido. Son frère cadet Ademola Adeleke est un ancien universitaire et sénateur représentant le district sénatorial d'Ozone West. Alors que le plus jeune frère Isiaka Adeleke est en retard. La jeune génération de la famille est plus impliquée dans la musique et le divertissement. David Adeleke, aka Davido, est l'une des plus grandes stars afro-pop de sa génération. Bayo et Sina, ses cousins, ont également connu un succès modéré en tant que musiciens. La famille Igbinedion est l'une des familles les plus riches du Nigeria, cachée dans la ville d'Okada, dans l'état d'Edo, dans la partie sud du Nigeria. Le gagnant du pain de la famille est l'Ezama du Bénin, un chef du royaume de Bini, qui a été conféré par Oba Akanzua II. Il aurait débuté, en tant qu'officier de police, avant de se lancer dans le secteur automobile, d'abord en tant qu'employé, puis en tant que chef de sa propre équipe de voitures. C'est à partir de là qu'il a étendu sa portée, démarrant un cercle d'entreprises, dont Okada Air, Igbinedion University, Okada Plaza et Igbinedion Television, aujourd'hui disparus. Son fils, Lucky Igbinedion, était un ancien gouverneur de l'état d'Edo, de 1999 à 2003. Sa fille, Omozede Igbinedion, siège actuellement à la Chambre fédérale des représentants, en tant que législatrice représentant la circonscription fédérale du Nord d'Ovia. La famille Tinubu est également l'une des familles les plus riches du Nigeria. Le nom de famille est celui qui suscite le plus grand respect dans la plupart des cercles de l'État de Lagos. Le gagnant du pain de la famille est Bola Ahmed Tinubu, ancien gouverneur de l'État de Lagos et propriétaire d'un hôtel oriental, un hôtel 5 étoiles situé sur l'île de la Victoire à Lagos. Sa mère, le chef Habibatu Mogaji, était une riche commerçante de Lagos et des femmes d'affaires, ainsi que l'un des leaders communautaires les plus influents. Avant son décès en 2013, elle était présidente générale de l'Association des hommes et femmes du marché nigérian. Ahmed Tinubu a passé la majeure partie de sa vie professionnelle en tant que cadre chez Mobil, avant de commencer sa carrière politique en 1992. Ahmed Tinubu possède également plusieurs biens immobiliers à Lagos. La famille Otedola est l'une des familles les plus riches du Nigeria. Le gagnant du pain de la famille est Femi Otedola, qui est le président et chef de la direction, PDG, de Fort Oil PLC, un importateur de produits pétroliers. Il est également le fondateur de Zenon Petroleum et Gas LTD et le propriétaire de nombreuses autres entreprises qui incluent la navigation, l'immobilier et la finance. Il a récemment investi dans la production d'électricité, dans le cadre de la libéralisation du secteur au Nigeria. Il est actuellement le troisième homme le plus riche du Nigeria. Né le 4 novembre 1962 à Ibadan, État d'Oyo, dans le sud-ouest du Nigeria, Femi Otedola a actuellement 55 ans. Femi Otedola est actuellement le fier père de la célèbre DJ et musicienne nigériane DJ Kupi. Femi Otedola est le fils de Feu Sir Michael Otedola. La famille Dangote est la famille la plus riche du Nigeria. Le gagnant du pain de la famille est Aliko Dangote, qui est actuellement l'homme noir le plus riche et un mania des affaires. La richesse de la famille Dangote commence avec le chef Alassane Dantata, qui a vécu le sommet de la domination coloniale, qui est de 1877 à 1955. Dantata était l'arrière-grand-père d'Aliko Dangote et était un commerçant du nord du Nigeria en noix de cola et arachide, et également distributeur de produits européens. Il était l'un des principaux fournisseurs de matières premières à de grandes sociétés commerciales britanniques ayant des intérêts commerciaux dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. La société de Dantata approvisionnait les grandes sociétés commerciales britanniques en matières premières et avait également des intérêts commerciaux sur la Gold Coast. Au moment de sa mort, il était l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest.